Alors, donc encore une fois, c'est donc des comics que j'ai prêté à Nico. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Black Hammer, le tome 1, Origine secrète de Lemire et Ormston, position qu'on prononce comme ça. Il fait partie de ces nombreux comics que Urban édite. Paf! C'est Urban Indies. Ça doit être marqué là. Et en fait, c'est les. Voilà, c'est ça. Urban Indies. Et il fait partie de ces nombreuses séries où le tome 1 est à 10 euros. Pendant une période très courte. Et ça, c'est vraiment le top. Quoi. Et c'est très très top. Parce que c'est une industrie qui coûte cher, en tout cas pour ceux qui la consomment. Et, franchement, avoir le premier à 10 euros, enfin, on en a déjà parlé. C'est vrai que maintenant, dès qu'il y en a un qui sort, en fait, on saute dessus. Parce que l'explication, c'est que moi, j'ai hésité pendant 2 mois à l'acheter à 10 euros. Mm-hmm. Je ne l'ai pas acheté à 10 euros. J'ai regretté. Donc, je l'ai emprunté à Jules. Je te l'ai emprunté. Waouh, je l'ai emprunté à Jules et c'est une super découverte. Vraiment une très belle découverte parce que c'est de l'indépendant. Carrément. Vraiment. Lemire, moi j'ai découvert avec Royal City et puis il a fait un one shot avec Snyder. Ouais. After Death. Alors. Cette thune là de perte involontaire de lunettes. Cette thune là et je crois que tu, je crois que je te l'emprunte. Oui, c'est difficile. Il me semble, et je pense pas me tromper, mais c'est lui aussi qui bosse après sur Wolverine. J'espère pas dire. Il me semble que oui. Ouais. Et donc, alors super découverte. Il crée son univers à lui, typiquement Lemire et puis même Ormston parce que si je ne m'abuse pas. Ormston, c'est le dessin. Lemire, c'est le scénario. Ouais, c'est ça. Hein, d'accord. Et j'ai dit n'importe quoi. Ben non. Et donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé le dessin. Non, puis il y a des références. Tu vois, par exemple, mets-le là, par contre. Mais tu vois, par exemple, celle-là, c'est obligatoirement une référence à Superman, tu vois. Au premier, le premier de... Le tout premier numéro de Superman, où il porte la bagnole. Il porte la bagnole, voilà, exactement. Essaye de rester... Oui, totalement, ouais. Mais... Mais voilà, et le. Non, moi j'avais aussi pris une grosse claque, quoi. Enfin, c'était bon, c'était. Et je trouve qu'il prend des risques, parce que un héros. Enfin, raconte un peu l'histoire, si tu t'en souviens un peu. Alors, moi, justement, le truc qui m'a un peu dérouté, c'est que l'histoire, elle est un petit peu. On n'en sait pas assez dans ce volume. C'est-à-dire qu'on est, alors le titre c'est Origine secrète, donc on peut imaginer que, on va en apprendre un peu plus dans le tome 2. Moi, ce qui m'a plutôt plu, c'est, comme tu l'as dit, les références aux comics, mais aux origines du comics. Ouais, ouais. On le voit ici sur cette double page d'introduction, avec le nom des auteurs, le titre, c'est qu'on est typiquement dans le côté un peu naïf, je trouve. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Le côté un peu naïf du comics où on voit les super-héros en action, quoi. Ici. C'est pas du tout ça dans le comics. Non, suite. Complètement. Du tout. Mais complètement. On a. C'est très bizarre aussi parce que ça marche bien avec eux parce que justement, eux sont nostalgiques de la vie exactement. Des super-héros qu'ils ont eu. Exactement. Parce donc qu'en ça fait, marche vraiment bien. Le pitch, c'est que c'est des super-héros déchus. Ouais, il s'est passé un truc. On ne sait pas bien exactement ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans une autre dimension. Donc on peut imaginer sur une autre Terre. D'accord. Et ils se réunissent tous. Ils étaient tous chacun des super-héros. Perso, et ils se retrouvent tous comme une famille. Il s'est passé quelque chose avec Black Hammer. Exactement. Black Hammer. Donc je vous remets. Moi, cette couve. La couverture déjà. Elle envoie du steak. Exactement. Exactement. Donc, on a affaire à une famille d'anciens super-héros, d'anciens super-héros déchus. Puis des super-héros atypiques quand même, parce que il y a une sorcière, il y a un astronaute vieillard vieilli, je crois, en allant dans une qui a vieilli dans une qui en fait qui navigue entre différentes dimensions. Voilà, qui arrive à naviguer entre différentes dimensions. Il y a un droïde. Si je ne m'abuse, c'est une femme dans le corps d'une petite fille. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, c'est pareil, ça pose problème aussi pour elle, vivre forcément. Et non, franchement, enfin. C'est un conseil. Je vous donne de le lire. Alors il y a et je trouve qu'on a vraiment la sensation de commencer une nouvelle saga. Totalement, exactement. De vraiment de commencer comme quand alors sans vouloir comparer, mais comme quand tu t'attaques à la guerre des étoiles et que tu sais qu'il y en a 6 derrière. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu sens vraiment qu'il y a un potentiel mais de ouf derrière
Et c'est ça qui, moi, m'a plu, en fait. C'est-à-dire que, oula, le mec en dévoile pas beaucoup. Par contre, tu sens qu'il en a encore. Et que ça va dépoter. Ça renouvelle un peu, effectivement, le comics de super-héros. Moi, je trouve. Je suis novice là-dedans. Ça fait 2 ans que je m'y suis mis, mais je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Ben ouais. L'étant abonné au Batman, là, que j'en reçois tous les mois, la légende de Batman, j'en reçois plein. Il y en a... J'ai très rarement été déçu, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Ouais, mais c'est un peu le problème. Avec Black Hammer, je trouve que Lemire et Armstrong, ils ont réussi. C'est le tour de force, je trouve. Hein, et comme Indies, tu le dis, effectivement. Indies. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je lis beaucoup de Marvel et je lis beaucoup de kiosques. Et c'est vrai que ça se renouvelle pas beaucoup, quoi. On en revient au même statu quo, que même les crossovers. Il y a que les crossovers qui sortent un petit peu du lot. Mais sinon, c'est vrai que sinon, c'est un peu pépère tranquille. Et à chaque fois, on prend une claque, quoi. Et là, je pense qu'on en parlera à un moment donné, mais moi, j'ai lu The Fix, toi aussi, je comprends. Non, pas encore. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Et c'est pareil, c'est un truc à 10 balles, et franchement, je l'avais pas vu venir, et c'est sympa. Alors après, c'est pareil, ça révolutionne pas le truc. Mais ça révolutionne pas le truc comme Black Hammer. Black Hammer, effectivement. Black Hammer, il a un côté où il va. Pour faire un peu. Il y a un avant et un après Black Hammer. Sérieusement. Et je pense que ça. Ça augmentera en puissance. Parce que. Ouais, je pense. Et puis même si, comme on dit tout à l'heure, il y a des références à Superman, aux comics, aux origines du comics dans les années 40. Ça reste des clins d'œil. C'est qu'il s'appuie dessus pour faire quelque chose de nouveau. Pour renouveler le truc. La petite fille qu'on a vue tout à l'heure qui soulevait la coccinelle dans la voiture. Fait référence au numéro 1 de Batman, ça s'arrête là, quoi. C'est carrément. Ça s'arrête là. Après, on oublie totalement Batman. Superman, excusez-moi. Je suis à fond. Batman. J'y suis, c'est ancré. C'est un tatouage. Mais du coup, non, bref, en voilà. Tout cas. C'est une super découverte. Moi, j'avais pris une claque. Les dessins. Ils parlent d'eux-mêmes, hein, j'ai envie de dire. Ouais, non, franchement. Les personnages, ils sont hyper profonds. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur des personnages aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui lui permet, dans le tome 1, en fait, de pas beaucoup parler d'histoire, en fait. On démarre avec eux, en cours de route. C'est vraiment exactement totalement. Ça. On commence la lecture en même temps que eux, leur vie, et leur nouvelle vie. Mmh. Et du coup, voilà. Alors, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame, et ça, voilà, il y a un moment donné, mais... Vraiment, ce premier tome est déjà pour installer l'histoire, ça c'est une évidence. C'est une difficulté, hein. Je me permets de te couper. C'est très difficile de commencer une histoire comme celle-là parce que c'est hyper casse-gueule. Non seulement parce que c'est l'univers du super-héros qui existe depuis 70 ans, il a réussi à faire, comme on l'a dit, des références sans s'appuyer dessus, en faisant en sorte qu'on les oublie, ces références, de rien. Et c'est ça le tour de force. Et puis effectivement, gratter et ressortir des personnages. Et c'est très intelligent parce que du coup, il va gratter, façonner ses personnages. Et j'ai pas encore lu le tome 2, mais alors qu'il est sorti depuis un moment. Je pense que dans le tome 2 et dans les tomes à venir, justement, les personnages bien construits vont pouvoir sortir. C'est leur volonté. Eux, ils veulent se barrer de ce monde-là pour retrouver leur monde. Et on sait pas s'il va être possible. Et dernier mot. En ce qui me concerne, ce que je voulais dire tout à l'heure, je cherchais le mot, c'est que ce côté rétro dans les dessins, mais c'est clair, dans les mêmes certains dialogues des personnages entre les personnages et les mouvements aussi, c'est dans ça j'adore, c'est truc clair. Vas-y, je te laisse franchement, je sais plus si, mais voilà. Là, ça reprend, il y a les grands buildings, ça reprend vraiment tout ce qu'on connaît des super-héros, mais dans l'ancien temps. Là, on n'est plus du tout là-dessus. Et même, alors ça c'est pareil, c'est très important de le préciser, on aborde vraiment des thèmes très très sérieux et très profonds, quoi. Je veux dire, par exemple, ce personnage-là, c'est pas un gros spoil de le dire, il y a un moment donné, on apprend qu'il est gay. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Et même les extraterrestres, sont gays, quoi. Ce côté rétro ici, là. Totalement. Cette page, cette planche, là, ici. Il y a un petit côté indestructible, en fait. Exactement. Mais chaque personnage est pourvu d'une identité hyper profonde, je trouve. Ouais, ouais. Et on a encore la référence ici à Batman. Superman, pardon. À Miller, voilà. Il surfe là-dessus sans en faire trop. Il y a tous les codes des super-héros
en tout cas de DC et Marvel, parce que là, ouais. on a Black Hammer, on pense au marteau de Thor, ouais. Mais c'est très vite, ouais. très vite oublié tout ça. Ouais. De toute façon, en même temps, il part pas de rien, le gars. Il part pas, on n'est pas en 40, on n'est pas en 39, où il part de que dalle. Voilà, il part de quelque chose, mais il a réussi justement à s'en détacher. Et je trouve que l'émir et Armstrong, l'émir au scénario et Armstrong au dessin, Stewart, il est en crash, je crois. Coloration, je crois que c'est ça. Mais c'est une. Voilà, c'est. Ouais, c'est sa couleur. Mais je pense vraiment qu'on en entendra, on en réentendra parler. Ouais. Et je pense que ça va faire date parce que. Je pense aussi, hein. Franchement, ça m'a mis une claque et je le suivrai. Enfin, c'est sûr que je le lirai. Ouais. J'ai d'autres choses à lire. Mais ouais, totalement. Je te laisse le. Voilà. Totalement. Et du coup, là, en attendant que ce soit des comics, des BD ou des livres, tout simplement, bah, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà. On éteint. Je peux pas dire mieux. Allez, ciao. Salut.